Alors bonjour à tous et bienvenue sur Platine Grim, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui un petit tuto pour les blindeux, tout spécialement pour ceux qui montent des chenilles frioules, les fameuses chenilles frioules. Voilà, j'en ai ici une petite boîte destinée au Magash, au Lasgarit, au Merkava MK2D. Voilà, petite technique de montage, je les ai montées en direct sur un de mes directs, ce qui me semble logique jusque là. Et notre ami abonné, souscripteur, Jean-Claude Georges, nous a dit en direct dans le chat une petite technique qu'il utilise qui permet de ne pas avoir de colle cyano, d'assembler toutes ses chenilles sans colle cyano. C'est parfait. La colle cyano, c'est toujours un peu délicat parce qu'on en met au bout, hein, vous connaissez le principe d'assemblage des chenilles frioules, on en met au bout là, du petit bout de métal, et puis voilà, mais on a peur que ça coule à côté, que ça empêche les chenilles de bloquer, enfin de tourner, etc. Bon. Là, zéro colle cyano, donc sympathique. J'ai essayé la technique en direct, on l'a mis au point, etc., on a discuté. Et c'est assez génial. Donc je fais un petit tuto pour éviter que ce tuto-là, où je l'ai fait en direct, on le retrouve dans 3 heures de direct. Là, au moins, vous avez un petit tuto voilà, qui va prendre 5-10 minutes, et c'est plus facile à retrouver. Alors, vous avez ici quelques exemples, quelques patins de chenilles qui sont préparés pour être assemblés. Okay. Voilà ce qu'utilise notre ami Jean-Claude Georges. Des aiguilles. Bon, là, c'est des aiguilles de couture. Ok. Voilà. Je vous mettrai un lien, hein, pour ceux qui habitent au fin fond de l'Amazonie et qui n'ont pas de magasin de couture à côté de chez eux. Je vous mettrai un lien vers une petite boîte Amazon. Vers une, ouais, une petite boîte d'épingles chez Amazon. voilà, elles sont en métal. Et hein, vous voyez qu'il y a une petite tête au bout, là. Il faut les couper à la bonne dimension, les insérer à la place du fil en métal d'étain qui est proposé par Friul Model. Et puis ça tient tout seul. Alors ici j'ai fait un petit gabarit, c'est un petit tuyau qui est de l'exacte longueur du patin. Ok. Donc pour préparer, pour aller un peu plus vite, parce qu'il y a quand même 250, enfin là j'en ai 220 patins à faire. Voilà, on passe ça là-dedans. C'est bloqué par la tête d'épingle, ça ne peut pas descendre plus bas. Ok. On la tient fermement. On prend une pince, pas sa jolie pince Tamiya. Parce que ça, c'est du métal à couper, ça un peu. Voilà. On met un rat ici. On appuie un bon coup. Voilà. Ok. Et vous avez ici une épingle de la bonne taille. Ok. On va faire tous les autres. Vous voyez, c'est assez rapide. Hop. Hop. Etc. Parfait. On a maintenant nos 5 épingles. On a ici nos patins. L'assemblage, c'est extrêmement simple. Et vous allez voir, effectivement, pas de colle cyano. Ok. Alors, on commence par l'assemblage du patin numéro 1. On aligne. Jusque-là, pas de souci. On prend une petite épingle, si elle veut bien venir, non, celle-ci ne veut pas, c'est pas grave. Hop. Voilà, on peut les laisser comme ça en attendant. Ok, puis après, moi, je prends, évidemment, pour éviter de me faire mal au doigt. Voilà, premier patin. Alors, dès qu'on prend l'habitude, vous allez voir, ça va beaucoup plus vite, évidemment. Vous les faites par rangée de 10 par 10, ensuite vous assemblez, vous assemblez les séries de 10 entre elles, et très rapidement, et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de cyano, ça apporte quand même un plus indéniable. Hop. Voilà, vous savez que le petit bout là, voilà, le petit chapeau de l'aiguille bloque en haut, donc c'est impeccable. Et voilà, vous voyez, très rapidement, on a assemblé 4 petites chenilles, 4 petits patins, pardon, hop. Voilà. Vous voyez,
pas de cyano, rien, ça tient bien évidemment. Ok, j'en avais déjà assemblé ici une petite, on va assembler le reste aussi. Hop. Hop, et voilà. Vous voyez, costaud, ça tient. C'est vraiment nickel, nickel. Le fait qu'il n'y a pas de cyano, on gagne quand même du temps. C'est très costaud, c'est très pratique, c'est très propre. Ça fait un boulot beaucoup plus propre. C'est quand vous avez des trucs de cyano, vous avez toujours le danger d'en faire tomber là et puis que ça ne bouge pas, etc. Là, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, des épingles, vous fabriquez un petit gabarit. Des épingles coûtent vraiment pas cher, hein, pour 200, une, pour 200, 300 petites épingles, c'est quelques euros, quoi, hein, c'est que dalle. Et puis c'est bien pratique. Voilà, donc merci Jean-Claude Georges, on va appeler ça la méthode Georges. Voilà. Quand quelqu'un va me dire, bah là j'ai fait mes frioules avec la méthode Georges, on saura que c'est avec les aiguilles et pas avec la cyano. Ok, merci à toi Jean-Claude, moi je partage juste l'information. Et encore un petit truc en plus dans notre arsenal de maquettistes blindeux. A plus les copains, passez une excellente journée. Maquettez bien, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt sur Platidrim. A plus, ciao.